Olivier Bourg. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Vous pouvez l'entendre tous les jours sur Virgin Radio. Il a son émission quotidienne, Le Coup de Bourg, où il fait des canulars téléphoniques pour les people. Et là, il est là ce soir pour vous sur scène. Mesdames et messieurs, Olivier Bourg. Bonsoir. Merci. Voilà, je me présente, je m'appelle Olivier et je suis originaire du sud de la France, de Montélimar. Alors, est-ce que vous connaissez Montélimar? Oui. Oui. Ah, voilà, parce que moi, à chaque fois que je rentre une soirée, on parle de Montélimar. Montélimar, on dit, ben, on pourrait être sympa avec moi à Paris, on dit Montélimar, c'est le... Vous. Non, c'est le... Nougat. Voilà, le nougat, bien sûr. Hein. Montélimar, il n'y a que le nougat. Hein. On travaille tous dans le nougat, d'ailleurs. On a les mains dans le nougat. Hein? Non, mais c'est vrai, on parle de nougat toute la journée et on fait des blagues sur le nougat. Est-ce que vous connaissez la différence? Ah, celle-là, elle est pas mal. Vous connaissez la différence entre Lady Gaga et Lady Nougat? Attendez, je n'ai même pas fait la chute. Non, mais c'est 100 kilos. Elle est bonne. Ah, parce qu'en plus, moi, Montélimar, elle existe vraiment, Lady Nougat. Elle est assez corpulente, alors bon. On prie nougat aussi d'ailleurs à Montélimar. Ah oui, oui. Ah, bah, dans les églises, les prêtres, c'est pas des hosties tout dégueulasses qu'ils donnent. Ah non, non. C'est du bon nougat aux amandes. Et non, mais bien sûr. Et on se donne du plaisir aussi avec le nougat. Bah, des sextoys, à quoi ça sert? Nous, on a des bonnes barres de nougat. Alors, vous voyez, on a des moyens du bord hein, à Montélimar. Non, sérieusement, j'exagère un petit peu. Dans mon entourage, je crois. Enfin, j'exagère pour l'instant, non. Mais dans mon entourage, je connais 30 personnes, il y a seulement 2. Qui se sont arrêtés à Montélimar. La première, en fait, c'est qu'elle avait une roue crevée, et la deuxième, c'est son GPS qui lui a fait une vanne. Il croyait être arrivé à Saint-Tropez. Non, mais même le maire de Montélimar, il a marqué sur son Facebook « Maire de Cannes », pour avoir l'air moins con. Voilà, ça le... Enfin, mais bon, je sais que vous connaissez, enfin, la plupart, beaucoup, l'aire d'autoroute de Montélimar. Eh oui, parce que vous vous arrêtez sur l'aire d'autoroute de Montélimar quand vous n'avez pas le choix, quand vous êtes dans les bouchons l'été, quand vous partez direction les vacances. Et nous, on pense qu'il y a une seule chose, vous vendez du nougat. Et vous, vous pensez qu'une seule chose, vous tirez direction la Côte d'Azur. Alors c'est pour ça que moi, je rate jamais une occasion de vendre du nougat. Et je sais pas si vous êtes venu en voiture, en métro, ou dans la rue. Non, pour l'instant, ça c'est pas drôle, en fait, c'est après. Enfin, normalement. Non, vous n'avez pas vu un véhicule, un semi-remorque rempli de nougat? Là, non, dans la rue, là, au rue Faubourg Saint-Honoré? Non. Non? Non, mais c'est mon véhicule. Voilà, donc vous allez bien m'en acheter du nougat ce soir. Non, je vais le refaire. Pardon, vous allez m'acheter du nougat ce soir. Non, Charlie, tu pourrais allumer la salle.
quelqu'un qui serait peut-être intéressé. Alors, quelqu'un est intéressé parce que je suis seul ce soir. Quelqu'un qui est le cul, hein, je préfère rien. Non, personne. Bon, moi j'ai l'habitude. Bah, elle aussi, elle a l'habitude. Non, c'est vrai, dans sa vie, on ne choisit pas son nom de famille. Pour moi, Bourg, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est normal, ça, première chose. Mais deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Voilà. Parce qu'en fait, mon père ne m'a pas choisi. Enfin, la personne qui a mis la petite graine ne m'a pas choisi. Pour vous expliquer l'accouplement de mes parents, ça s'est passé comme dans un accident de la route. Voilà, ma mère conduisait tranquillement, lui devait conduire bourré sûrement, il a embouti son arrière-frein, et, ou devant, je ne sais pas, j'étais pas là, c'est normal. Ils n'ont pas fait conseil à l'amiable, hein, vous en doutez. Il a pris la fuite et il n'a pas donné de nouvelles. Et ma mère, en hommage de cette nuit torride, a gardé le tambour. Voilà, oui, parce qu'elle s'est faite bourrer. Et non, mais encore, j'ai de la chance. Oui, parce que j'ai un frère qui n'a pas le même nom de famille que moi. Il s'appelle David. Oui, David Gangbang. Non, mais disons que ce soir-là, elle avait un peu trop bu, elle aime bien faire la fête. Voilà. Bon, dans cette histoire, ce qui est le pire, c'est que mon frère a eu un autre enfant. Voilà, il a eu une fille, du même âge que moi. Et cette fille, quand j'étais jeune, je sortais en boîte et on s'est rencontrés. Bon, je savais pas que c'était ma sœur. On est sortis ensemble. Voilà. Bah, normal, la beauté parfaite, moi avec les cheveux longs. Donc, voilà. Alors, je vous rassure, hein, non, on n'a pas couché ensemble. Non, elle m'a juste sucé. Et un jour, elle m'a présenté son père. Enfin, mon père, quoi. Enfin, vous imaginez le bordel. Quand on a compris la situation, ça a foutu la merde, hein. On était à deux doigts de rompre. Hein. Heureusement, maintenant, je vous rassure, on est heureux tous les deux et bientôt trois, le bébé. Enfin voilà, on forme une belle famille. Malheureusement, cette belle famille, j'ai dû la quitter pour venir faire carrière dans la radio à Paris. Alors, vous écoutez la radio Vous écoutez la radio Ouais. Alors, quelle radio vous écoutez? Virgin Radio. Ça fait plaisir, parce qu'on ne vous a pas briefé avant. Moi je fais le concours tous les matins à 8h05, voilà, je piège des célébrités. Et si vous voulez, c'est beaucoup de boulot. Et la seule consécration que j'ai dans cette histoire, c'est d'être dans le magazine Entrevue. Voilà, vous connaissez peut-être le magazine Entrevue? Voilà. Oui, non mais attendez, vous n'avez pas le pire. Alors voilà, c'est moi là, vous voyez, ici là. Voilà, d'accord. Juste derrière la chaîne de Moana. Là, je suis caché derrière la chaîne de Moana. Vous vous rendez compte, 10 heures de boulot par jour, un an de boulot pour me retrouver derrière une chatte, quoi. Non, sérieux. Non, mais regardez, c'est quoi sa chatte, là, vraiment. Hein. C'est vrai. Non, mais vous rendez compte. Non, mais parce que Clara Morgan, elle a fait du X, elle a fait du porno. Bon, ben maintenant, elle travaille dans les médias, elle est chanteuse, elle fait de la télé. Ben voilà, moi, je fais de la radio pour me retrouver dans un truc porno, quoi. Non, mais si je continue ma carrière, dans deux ans, je vais me retrouver avec la bite de Rocco Siffredi dans la bouche. Hein. Bah, il y en a qui sont contentes, hein. Ma femme, enfin ma soeur. Non, mais tout ça pour dire que voilà, j'ai piégé 250 people. Je les ai tous piégés, ils me connaissent tous, je peux plus piéger personne. Alors j'ai été obligé de piéger des has-been. Je me suis pris au faible. Bah oui, alors c'est pas du tout. C'est pas ce que je fais d'habitude. Alors j'ai piégé Charlie Oleg de Tourner la Ned, Bernard Millet des Musclés. Et même Jackie, du Jackie Show et de Dorothée. Alors vas-y, j'ai quand même piégé des grands artistes. Jean Rochefort, Didier Bourdon et Annie Girardot. Ouais. Non, franchement, ça me fait la peine ce qui est arrivé. Enfin, on la reverra plus, quoi, et elle va me manquer parce que c'est vrai que c'est la seule personne que je pouvais piéger tous les jours. Sans changer ma voix et tomber dans le panneau. Ah, j'aime bien. Enfin bon. Bon, personne ne veut son gars. Bon, ben je vais me l'offrir alors. Voilà, je vais m'offrir mon gars. Non, en fait, je vous dis la vérité, c'est que on m'a fait un cadeau ce soir. Dans ma loge, on m'a offert du gars, vous voyez. Enfin bon, je vais du mal. Voilà, bon, ben je vous remercie. Ah oui, il faut arrêter à un moment donné. Ben, vous avez été un public chaleureux, restez-le parce qu'il y a du monde qui arrive derrière. Et je vous embrasse tous et je voulais vraiment vous dire du fond de mon cœur, vraiment, que si vous étiez tous mes sœurs, et ben je vous ferai l'amour à tous direct. Ouais.
assisté à un moment d'humour exceptionnel. Parce qu'on l'entend depuis très très longtemps à la radio, mais c'était sa première scène. Un sketch écrit spécialement pour la semaine du rire à l'espace Beaujon. Il avait envie de jouer devant un public